Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo tous les trois. La dernière était pas très réussie. Si, t'es fou! Regarde. Déjà, quand on tourne en sortant, tiens, je vais prendre la parole. Tiens, tu sais quoi? Dégage. Mais quand je tourne avec toi, ouais. Alors déjà, je suis toujours excité. Ouais. Mais alors, quand je suis avec lui. Les travaux, putain, c'est horrible! Comment? La le réverbe. Premier youtubeur de France! Okay. Est-ce que je peux parler? Continue à refaire ça. Pourquoi on est dans une salle comme ça? Quelle connerie! Quelle connerie ça annonce! Alors, j'ai plein de choses à dire. La première, il y a une réverbération dantesque dans cette salle. On n'y peut rien, c'est vide. Je vous rappelle que je viens d'avoir mes nouveaux bureaux. Tout n'est pas encore aménagé. Et là, en vrai, ça nous arrange parce que vous pouvez... En plus de cette réverbe dantesque, il y a des travaux dans le bâtiment d'à côté, les gars. Il n'y a pas de clim non plus. Condition de tournage, la note, c'est 0 sur 10. Celui qui fait le plus de bruit avec sa tête sur la table. Les vidéos qu'on a fait ensemble sur ma chaîne ont marqué les gens. Les objets japonais, épisode 2, épisode 3, épisode où le studio a failli prendre feu, épisode où on s'est rendu compte que Raph était profondément nul à chier au baseball. Ensuite, il y a eu cet épisode face à la trappe où, même si tout a foiré, tout était donc parfait. Oh, c'était drôle. Aujourd'hui, 4 activités différentes, dont une qui justifie toute la bâche plastique autour de nous qui est en train de tomber. La première, les gars. Tu te dis tranquille entre vous. Boire une bière entre potes. Ah voilà, trop bien ce petit challenge. Ouais, c'est drôle ce qui se passe entre potes. Fin de la blague. Le principe est très simple. Vous ouvrez cette bière, la mettez sur le ballon. Vous jetez le ballon. Vous jetez le ballon et vous la rattrapez en l'air et vous buvez une gorgée. Easy. Alors tu commences. Alors là, le ballon c'est est parti, là. Poto. L'alcool est à consommer avec modération, donc c'est du panaché. Eh, hey, c'est qui modération? J'aimerais bien le connaître pour boire sans arrêt, buvez, 15 millions d'abonnés. Alors, tu jettes la balle par terre avec la bière dessus. Quand la balle va toucher le sol, la bière va partir dans une direction grâce au rebond de la balle. Tu dois alors l'attraper en plein vol et boire une gorgée. Tu commences. À la famille. C'est incroyable. Immédiatement, tu viens bien réussir. Voilà, fin de la vidéo. C'est le meilleur scénario, c'est passé dès le début, moi je... Allez mon doudou, on y va. J'ai tellement vu sur TikTok celui-là, j'en rêve. C'est parti. Mais t'as même pas fait d'effort, frérot. Alors, il y a une mère qui a failli être insultée, là. Si on rate tous les deux et que Raph a réussi... Vous m'achetez une île. J'ose pas, les gars. Hey, c'est beau, ça. Oh, je veux réessayer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'adore. C'est super dur. Oh my god. Oh, ça marche. Déjà, regardez bien, 15 millions d'abonnés, regardez bien le trépied. Et attention, petit mouvement. Wow. Même si elle est peu gonflée, ça reste très dur. Oui. Et il l'a fait d'une manière oui, excellente. Extraordinaire. Il faut le souligner. Mais je voudrais quand même une deuxième chance. Oh, j'ai failli l'avoir. En voyant les gens faire sur TikTok, je me disais, mais ils sont stupides, c'est bête. Mais c'est génial. Oui, oui. C'est vraiment génial. Je comprends totalement. Raph, normalement, c'est à toi de réessayer. Fais, mais je le fais en dernier pour clore ce chapitre. Là, 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 qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ouais. Allez, mon cœur, on est là. Vas-y, Raph. Il a espéré. Ok, les gars, on est bon avec ce premier truc? Très bien. On fait la pastèque? On va faire la pastèque, la fameuse. Et c'est parti pour la pastèque. Messieurs, dames. Oh, la fameuse. Ça y est, c'est ça? Ça, les gars, je l'ai vu passer dans une vidéo il y a pas longtemps que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est très simple. On a une pastèque. Wow, wow, wow. Le but, c'est très simple. Il faut mettre des tas d'élastiques autour de la pastèque. Et au bout d'un moment, ça va la faire exploser de malade. On a des élastiques un peu larges et des très fins. Est-ce que les fins déjà passent? Regarde, ils passent parfaitement. Ah, ça me fait peur, ça. Ça, quand ça claque, ça nique. J'aime pas, j'aime pas déjà. Déjà, il faut bien qu'on soit synchro, que ça appuie bien au même endroit, quoi, tu vois. Milieu, quoi. J'ai jamais vu un gars prendre. Aussi investi. Ah ouais. Attends, mais plusieurs d'un coup, donc. Bien sûr, moi. Mais là, le but, c'est qu'elle pète. Oui, mais elle va rien péter du tout, les mecs. Ah, retenez bien cette phrase. Regarde bien, regarde ce qui se passe. C'est super dur en fait. Et ça fait pas mal si ça explose, non? Non. Non. Non, 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 non. À chaque fois, je recule. Ah, j'ai trouvé la technique. C'est bon. J'ai super peur. Hey mec, tu trouves pas qu'on dirait une tortue ninja? Pizza time! Ah ouais! Pour moi, on est juste en train de mettre des élastiques autour d'une pastèque! Oui, mais au bout d'un moment, non, bah non. T'es sûr? Ah, ah oui, bah, mec. Alors là. Mais par contre, ça peut être terrible hein, ce qui se passe. Oh la connerie! Les gars, mais tout ça! Le...
les gars, elle se déforme vraiment, sérieusement. Elle se déforme là. Vous avez vérifié les risques, les causes et conséquences de ce jeu là, de ce challenge? Oui. Je vais vous donner du courage pour éviter de se casser le visage. Je ramène un petit accessoire. T'es en train de me dire, Lucas, que ça, là, regarde bien. Lucas, t'es en train de me dire que ça va protéger? Mais oui, c'est très bien. Une pastèque. Aïe! T'as vu un Vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus verticale qu'avant. Oui. Par contre, aidez-moi pour ça. Eh les gars, j'ai l'impression qu'on va mourir dans cette pièce. Mais oui, mec. Bon. Je viens d'avoir un feeling, c'est l'heure de ma mort, ça, elle s'approche. Mais ça, c'est. Arrête, c'est flippant ce que tu viens de dire. Ne faites pas ça chez vous sous aucun prétexte. Les gars, c'est à moi d'en mettre un. On est en équipe. Oh, c'est des. Qu'est-ce qu'ils ont? Vas-y, mon frère, va de l'autre côté. Regarde le jus de cul, c'est dingue. Oh putain de merde. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est hyper puissant, ce que j'ai mis là. Oh, regarde. Moi qui avais peur de mes traces de transpi. Rien ne met plus de pression dans une vie que de faire ça, je vous jure, c'est vrai. J'ai l'impression de désamorcer une bombe. Vas-y. Regarde, je fais un énorme. Je peux pas dire mieux. Je fais le plus gros. Approchez-vous là. Je fais le plus gros, regarde. Trop bon. Oh putain, mais fait PMX, c'est génial. Mais c'est la meilleure manière de manger. Applaudissements à Lucas. C'est lui qui a eu le fin de mon histoire. Mec, tu l'as. T'avais raison, ça marche. Abonnez-vous à la chaîne. Lucas, on t'écoute. Les gars, là, c'est un truc que je voulais faire, mais on va pas le faire en extérieur parce que possiblement, ça peut retomber sur quelqu'un et l'assassiner. Ne faites pas ça en extérieur. Évidemment, ne le faites pas en extérieur. Ne le faites pas tout court. Le but du Rocket Coca, c'est de réussir à fermer la bouteille, secouer, il y a les mentos dedans, et ensuite, tu l'envoies comme ça. Et si elle tombe sur le bouchon, elle va être projetée, en fait. David est le spécialiste de cette épreuve. Il la connaît très bien. Nous t'écoutons, David. Il faut qu'on arrive à mettre des mentos dans une bouteille de Coca, donc YouTube de 2001. Mais il faut qu'on arrive ensuite à fermer la bouteille. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui consiste à coller à l'intérieur de la bouteille avec du scotch des petits mentos et ensuite secouer la bouteille. J'y crois pas. Moi j'ai envie de jouer la deuxième technique qui est un peu plus risquée. On va devoir essayer de les mettre et de fermer la bouteille rapidement. Ça sent pas la bonne idée, on est d'accord. Combien on en met dedans? Il en faut 6. Mais tu me regardes, je croyais qu'on allait faire des objets japonais moi. Moi je propose de tester déjà avec 3, 4. Non, 5. 6. On en met 7, comme ça on est sûr. 8. Je mets les mentos, et une fois que je les ai mis, toi tu fermes au plus vite la bouteille. Mais je vais pas laisser la bouteille poser là. Mais si, c'est pas grave, il peut rien se passer. Je pense pas que ça puisse exploser. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Je les mets et tu fermes au plus vite. Je ferme au plus vite. Quand il y en a qui sont tombés, 1, 2, 3. Vas-y. Ok, je suis chaud pour fermer. Attends, mec, il y a genre une fenêtre de 4 dixièmes de seconde. Je sais comment améliorer. Oui. On va vider un peu de gaz qu'il y a dedans. Et un peu de coca qu'il y a dedans. Tout est prétexte à boire et à manger, chut. Putain, mec, ça te remplit, là. J'ai mangé un mentos, merde. Dans mon monde. Non. Mais c'est l'erreur, là. C'est genre l'erreur d'Internet. Non, mais mec. Mec, j'ai très peur, je te jure. Tu vas mourir. Qu'est-ce... Ça va, pour l'instant. C'est comment, ça va? Ça va faire de la mousse. Ah, pardon, putain. Oh, putain, mais quel chacal. 1, 2, 3. Y'en a qu'un qui est tombé, y'en a qu'un qui est tombé. Secouez-la. Secouez-la. Les gars, y'a du progrès de malade. Mais oui, je t'avais dit. Attention. Mais David, c'est dans la micro-note. David, putain. David. Eh, je n'en peux plus de ta technique. Maintenant, vous allez me laisser faire. Ça arrive. Ok, deux, un qui est prêt. J'en fais un deuxième, je vais mettre les deux, ça marche 100%. Ok, les gars. Vous êtes prêts ou pas? J'avais toujours dit que cette technique marcherait, c'est génial. Ça marche pas, là. Ça va pas marcher. Attends, laisse-le secouer. C'était bien cette technique. On refait ça? On analyse. Allez. Mais là, ça va, c'est bizarre. Serre bien fort. Prends le temps de serrer bien. Serre fort. C'est quand tu la lances, elle tombe sur le bouchon, elle va partir. Et je jette sur le bouchon? Voilà. Oui. Je ferme. Mais lâche-le de l'autre côté, hein. L'autre côté. Oh putain. Ça a marché, non? Ça marche, ça a marché, ouais. Attends, on le refait. Il en reste une, les gars. Attention, parce que même là, c'est audacieux ce que tu fais. Mec, je viens de le faire, je peux le refaire. Ok, rap. Allez, la moulaga. C'est à toi de jouer, mon frérot. Allez, c'est entre tes mains. Secoue. Non. J'ai raté. Tu l'as raté. Mais on peut la refaire. Mais là, on peut la refaire. Vas-y. Non, mais c'est mort, c'est trop tard, les gars. Il est temps de passer au challenge ultime, les mecs. Celui-là, j'ai hâte de le faire.
Comment ça va, toi? Ça va, toi? Je peux vous serrer les mains? Les conditions hygiéniques sont respectées. Là, on c'est est vrai. En Covid, c'est cool. Alors, les gars, là, c'est un truc incroyable que je veux faire depuis très longtemps. Aussitôt, j'ai vu passer, aussitôt, je me suis dit, je vais le faire. C'est le Foam Challenge, ça s'appelle. Ok. En gros, c'est une réaction chimique qui entraîne une création de mousse démentielle. Ok. Dans les ingrédients, il y a un truc très corrosif pour la peau, ce qui explique nos tenues. Évidemment, ne faites pas ça chez vous sous aucun prétexte. On va commencer avec un tout petit dosage. Est-ce que je vais dire les ingrédients pour que les gens puissent le refaire chez eux? Bien sûr que non. Hey mais mec, je suis en angoisse. Oh, mais si jamais on doit sortir, pars en premier, ok? Ok, ok, t'inquiète. Y a pas grand chose, hein, les gars, là. C'est pas grave, c'est une petite. C'est pas grave, c'est un essai. C'est un essai. Ça va pas exploser, là? On envoie, encore, et stop. Ah, viens, un petit colorant. Un petit colorant. Allez, du rouge. Allez, moi, un petit rouge. On y va. Un petit rouge des familles, une petite dose, voilà, point trop d'infos. Voilà, ok. Voilà. Messieurs, dames. Attends. Vas-y. J'ai l'impression. Mais le verre, il va exploser, on va mourir. Non, le verre il explose pas. J'ai l'impression qu'on est dans un TPE. C'est parti. Vas-y. Mec, si tu regardes bien, ça a fait de la mousse, hein. Ça marche pas, ça va mourir de rire. C'est pas là, c'est les gars, ça rigole pas là. Ok. Deuxième test. Si attends, ça rate, les gars, par voilà, contre, je sais plus bon. Quoi faire. Vas-y. Et les gars, vous vous êtes renseignés sur comment on doit faire? Non, mais regarde la loose. On n'abandonne pas. Les gars, c'est de la chimie. C'est pas un truc de hasard avec un ballon de basket, là. C'est de la putain de chimie. Quatrième essai. On a changé pas grand-chose en espérant un résultat différent. C'est la définition de la folie. Attends, c'est un succès ou un échec? J'ai pas compris. Bah, c'est un succès total, c'est juste que là, on en a mis très peu. On a changé un des ingrédients. Mais qui n'est mais pas... Mais je pense que c'est pas le bon truc, je suis quasi sûr. Genre, je pense qu'il va se repasser pareil, exactement comme là, ici, on va faire « Ah, ok ». Tu veux que je t'aide? Non, regarde, j'ai galère pas, c'est bon. Les gars, ça ne peut pas marcher. Toutes les vidéos qu'on a regardées, c'est des formules chimiques très précises. Nous, on a vraiment fait un peu de ça, là, puis après un peu de ce truc là. On est très débiles dans cette vidéo. On est parti, on aura tout essayé. Regardez ce qui se passe, les amis. Il est fatigué parce qu'il a organisé ça et c'est dur la défaite, surtout pour un mec. Qui échoue pas. Qui n'échoue que très peu. On revient dans quelques jours, on fait passer le week-end. Allez, pour Lulu, vous, dis juste OK. OK. Donc là, il faut mettre de l'eau là-dedans, c'est ça? Rien n'a changé. Il y avait un problème d'ingrédients. Mais c'est un problème qui est apparemment désormais résolu. Ah, j'ai dit réglé, moi. Moi, je fais quoi? Tu filmes. Eh, hey, les gars, imaginez un seul instant que ça marche. Si ça échoue, je tombe. Ah, voilà, mec. Oh là là. Je tombe et je suis pas sûr de me relever. Non, mais attendez, parce que tu l'auras bien dit, il y a un week-end qui s'est écoulé entre toi. Ouais, là, bien on sûr. Est back, c'est lundi matin. Ça y est, il vient d'arriver. Salut, Raph, ça va? Comment tu vas? Quoi? Non, mais quoi? Je me réveille? Il répète ce que t'as dit. Attendez, je rajoute un petit ingrédient. Après un fail historique, 3 jours d'essai d'une équipe au taquet, on est reparti. Attends. S'il ne se passe rien... C'est un grand moment. 3, 2, 1... Ça a marché. Oh, c'est joli. Oh, c'est fou. On dirait une surface. Ça fait de la fumée. Oh, c'est beau. Alors attendez, c'est un nouveau sentiment qui vient de se passer sur la chaîne de Lucas. À la fois un peu content et à la fois déçu. Qui est content su? On est tous contents, su. Bon, les gars, c'est donc un peu décevant. Ce qu'on devait faire maintenant, c'est essayer dans un truc bien plus gros. Ah, voilà. Là, on se parle, effectivement. T'es fou, toi? Mais mec, c'est pas possible. Voilà. Non, mais stop. J'ai jamais vu ça dans aucune vidéo qu'on a vue. Oh, j'ai peur d'être content, su. On y va, recule. Vas-y. 1, 2, 3. Oh. Content, su. Content, su. Moi, je vous dis, on fait un dernier tu essai. Mais non, regarde on bien. Met tout plus. Écoutez bien cette phrase d'un grand chimiste. On met tout plus. Oh, lui, il y va. Vas-y, c'est quoi, mets tout? Je mets tout, hein. Allez, vas-y, non, mais c'est bon, mets tout plus. C'est la fin, allez, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est la fin de notre vie en même temps. Les amis, c'est le dernier essai de cette vidéo haute en couleur, dont la moralité est toujours plus et en étant nul. Attention. Si, c'est passé. Si, tu vois, plus de mousse, plus de densité.
Bon les gars, nous sommes désormais dans tous les livres de physique chimie, de la 6ème à la terminale. Regardez ça, c'est mon état intérieur là. Venez devant la caméra parce que j'ai un truc à vous proposer. On refait un épisode 2 où on se concentre juste sur la mousse, mais cette fois-ci on remplit vraiment genre un truc très lourd avec quelqu'un qui dit mais non, c'est ça, un chimiste quoi, avec un chimiste. Et la vidéo elle s'appellera « On a pris notre revanche ». Oui, enfin, grâce, entre parenthèses, grâce à un professeur renommé en la matière. En tout cas, la physique chimie, ce n'est pas simple. Ne faites pas de la physique chimie si vous ne savez pas faire de la physique chimie. Ne faites rien de tout ça chez vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo malgré nos échecs, malgré...